L'orchestre royal Kamuzika revient sur la scène musicale de Pointe-Noire. Ce groupe orchestral a repris les répétitions au village des artistes en Kwikou avant leur sortie officielle prévue au mois de mai prochain. Royal Kamuzika revient sur la scène. On est là, voilà. Et que nous relançons ensemble les activités. Vous avez sans doute remarqué derrière moi le retour de Pico, de Nous Abraham et de certains artistes qui étaient partis pendant un certain bout de temps plus tôt. Et on revient, quoi. On revient sur la scène et le combat continue. Ayant acquis un lieu propre de répétition et du matériel musical, l'Orchestre Royal Kamuzika est dans les préparatifs d'un nouvel album et la célébration du 21e anniversaire de sa création. Voilà, pour réussir ce retour sans détour, il a fallu restructurer l'orchestre, déjà demander plus de nous-mêmes que les autres, déjà l'achat du matériel, trouver la place idéale pour les séances de répétition. Il faut rappeler que cet endroit, nous l'avons eu, ça fait pratiquement une année, nous l'avons dénommé le village des artistes. Cet espace a poursuivi Rolf Nzamba, le père comme on le surnomme, est également dédié à tous les artistes qui ont besoin d'un accompagnement, notamment pour les plus jeunes. Cet espace est celui de Royal K, c'est vrai, mais nous le laissons aussi à beaucoup d'artistes. Ceux qui pensent qu'ils peuvent faire des séances de répétition, nous sommes ouverts. Nous avons des artistes comédiens qui répètent avec nous ici. Nous avons d'autres artistes qui viennent faire des séances de répétition. Nous avons aussi un studio d'enregistrement que nous donnons aux artistes pas connus encore, ceux qui sont dans l'herbe. Nous pouvons les côtier, nous leur ouvrons nos portes. Royal K aujourd'hui devient un miroir. Créé en 1998, Royal K Music a vu passer plus de 80 musiciens au sein du groupe, lesquels seront invités lors de la célébration de l'anniversaire, qu'ils souhaitent être un véritable exploit, un moment de bonheur, a déclaré en substance Rolf Nzamba.